Salut à vous! Je vais pas parler très fort déjà parce qu'il est très tôt et qu'il y a dans le camion. Dans les camions, il y a des voisins à côté qui dorment. Et ben voilà, c'est mon réveil dans les montagnes. Et j'ai mis le réveil bonne heure là. J'ai pas très bien dormi cette nuit parce qu'il y avait une lune super forte. N'empêche que j'ai profité d'une voûte étoilée parce que là, on a vraiment l'immensité du ciel autour de nous. Il y avait une voûte étoilée superbe, le ciel est complètement dégagé. Ce qui veut dire que mon défi est complètement jouable aujourd'hui, c'est à midi. Et voilà, j'ai pas beaucoup dormi aussi, je pense, parce qu'il y a beaucoup de stress. Donc hier, j'ai fait une séance avec Anne. Merci de tout cœur à Anne Faure qui m'a fait une séance de préparation mentale, c'était génial. Elle gère grave. J'avais jamais fait des séances avec elle et j'avais adoré le terme préparation mentale, ça m'avait beaucoup parlé. Surtout que moi, mentalement, j'ai énormément de choses qui me freinent, qui me font douter, qui me font revenir en arrière, qui me font ralentir. Bon, et qui me des fois même m'empêche de faire ce qui est important pour moi. Donc c'est quelque chose que j'ai conscience de ça, donc je travaille avec ça. Et du coup, préparation mentale, c'est quelque chose qui m'a beaucoup plu dans la description de son job en tant que coach. Et voilà, donc on a fait une séance hier qui était absolument au top. J'ai adoré ça. Elle a mis une énergie, bah, de toute façon, Anne a une énergie incroyable. Voilà, donc l'énergie dans laquelle elle m'a mise avec son coaching était extraordinaire. Donc ça a énormément réduit le niveau de peur dans lequel je suis pour ce challenge du jour. Donc nous sommes le 8 septembre. Et là, voilà, ça approche, mais ça va mieux. Mais voilà, j'ai très mal dormi et la lune qui me mettait une lumière dans le camion incroyable par les petites fentes où le rideau ne faisait pas de noir complet. Et voilà, donc, mais c'est pas grave, le réveil a sonné à 7h moins le quart. Et je me suis donné pour objectif, pour intention forte, c'était de profiter des levers de soleil et couchants de soleil à chaque fois que ce serait possible et que je m'en donnerais les moyens que ce soit possible le plus possible. Et voilà, et là. Et c'est un mois, en fait, pendant un mois, je veux profiter à fond. Donc même si le matin, en ce moment, j'ai besoin de me reposer un peu, eh bien là, j'avoue que j'avais du mal à ouvrir les yeux, mais quand j'ai ouvert le rideau et que j'ai vu ce que je vais vous montrer, je me suis dit, ouais, non, non, mais je me lève, il n'y a aucun souci. Là, franchement, pour me lever le matin, mais... Il n'y a pas besoin d'arguments, il n'y a pas besoin de faire une préparation mentale, il n'y a pas besoin de 36 000 raisons. Juste cette vue a suffi à me lever malgré ma fatigue. Donc je vais vous montrer ça maintenant. Donc mon camion est là-haut, là. Il n'y en a pas. Donc déjà, ça c'est sympa, hein, découvrir ça. Et alors là, regardons petit à petit. Découvrons petit à petit ce magnifique paysage de montagne. Surtout de Gap. Non mais là, ça rend pas ce que je vois. Oui, ça c'est déjà un peu plus ce que je vois en plus sombre, mais je sais pas si je peux changer le sens de la vidéo. Non, je peux pas. Je sais qu'en vidéo, ça rend pas aussi bien qu'en réel. Mais quand même, je dois vous partager ces choses-là parce que c'est absolument fantastique. Je trouve que se donner les moyens d'évoluer dans cet environnement-là, de s'offrir en tout cas la joie de se réveiller dans un paysage pareil, bah, moi, ça me booste l'énergie. Ouais, clairement, ça réveille des énergies, une créativité et une positivité, une humeur joyeuse
Ça me met de la joie dans le cœur, mais plus, quoi. C'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Je suis en train de voir sur le... Je ne sais pas si vous allez le voir, vous. Moi, c'est là. Non, ça ne se voit pas dans la vidéo, je crois pas. Il y a... Je ne sais pas si... Il y a un rond blanc rosé. Je ne sais pas ce que c'est. Dans la montagne. Donc de s'offrir cette joie, en fait cette joie c'est vraiment le repère, la boussole pour savoir qu'on est dans un endroit qui nous correspond en fait, qui nous va bien et qui peut nous rendre heureux. Alors c'est pas l'endroit qui nous rend heureux bien sûr, mais comment dire, j'avoue que quand je vois cet environnement-là, tout de suite mon humeur elle change. Donc forcément c'est l'élément extérieur compte énormément sur notre état intérieur quand même. Même si c'est avant tout l'état intérieur qui t'a changé ou qui t'a travaillé, qui t'a amélioré et à prendre soin de notre état intérieur, en fait, c'est de ça dont il s'agit. Donc le milieu extérieur, l'environnement, le paysage fait partie des ingrédients majeurs pour influencer notre état intérieur. Vraiment. Moi, il n'y a pas photo, tu me mets en plein centre-ville et tu me mets là, je ne suis pas dans le même état, clairement. Même si je suis dans la même humeur, bien et tout ça, hier je traversais la ville de Gap en camion, j'ai aucune envie de m'arrêter. Tu me poses là, je suis prête à rester 10 jours s'il faut. Donc voilà, ça change tout, vraiment. Et hier soir, la réflexion que je me suis faite aussi en voyant cette voûte étoilée, donc il y a toutes les villes dans la vallée là qui étaient éclairées, villes et villages, c'était très joli mais très discret. Et du coup, il n'y avait pas cette espèce d'halo lumineux dans le ciel, surtout que c'était un ciel hyper dégagé, pas nuageux. Quand c'est nuageux, le halo lumineux est plus visible, mais il y avait une nuit noire, noire complète. Et c'est vrai que je réalisais à quel point, moi j'habite dans un petit village avec des lampadaires, des voisins, tout ça. Vous l'avez vu dans les premières vidéos, il n'y a pas photo quand il n'y a pas de lumière. Tu profites d'un ciel étoilé d'une façon complètement différente en fait. Et cette voûte étoilée, mais elle m'a fait penser au désert, mais même à la montagne, c'est encore autre chose. Tu as l'impression d'être très proche du ciel et les étoiles sont étincelantes d'une façon incroyable qui rend le ciel étoilé hyper profond en fait. Hyper beau. Et ouais, je suis heureuse de m'offrir ça, de voir ça. Et je vous invite vraiment à tester, pour ceux qui ne connaissent pas vraiment ça, je vous invite vraiment à aller dans des lieux où il n'y a pas d'éclairage pour profiter et un ciel comme ça, très ouvert. Profiter de la voûte étoilée, franchement, offrez-vous ça au moins une fois, quoi. Et si vous pouviez vous offrir ça régulièrement? Moi, je veux ça dans ma vie régulièrement, quoi. Coucher de soleil, lever de soleil et nuit étoilée. Oh là là, c'est trop bien. C'est bon. Bon, je vous fais une vidéo tout à l'heure pour vous parler de mon défi qui m'attend. Donc, beaucoup de stress. Maintenant, j'ai revu, revu pour la énième fois. J'avais vu plein de fois cette vidéo. Une vidéo de Will Smith. Je vous la partagerai. Je vous mettrai le lien bientôt quand je pourrai. Mais une vidéo absolument magnifique qui m'a reboostée et qui m'aide à me préparer aussi pour ce challenge et qui me montre à quel point c'est humain d'avoir la trouille de faire un truc comme ça. C'est la première fois de ma vie que je vais faire ça et que je vais faire un truc dans le genre. Voilà, donc ça va être quelque chose. Voilà, je vais profiter de mon lever de soleil tranquille. Je vous souhaite à tous une belle journée ou belle soirée, suivant le moment où vous regardez la vidéo. Et n'hésitez pas à m'écrire en commentaire si vous connaissez des lieux magiques qui vous ont ému aux larmes. Parce que ici, clairement, ça a été le cas. Donc, si vous connaissez des lieux, si vous avez vécu, rencontré des lieux qui vous ont ému aux larmes, je serais intéressée de savoir lesquels. Voilà, je vous embrasse, je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous, prenez soin des autres et prenez soin de la Terre. Ciao, bye bye.